Bougez pas. Oui, bah pareil. Ouais, Olive qui tue. On va faire les bibis après le tableau mystère. Ça va, je me sens suffisamment en forme. Je pense que je garde mon thème jusqu'à 22h. Putain, il y a des salles de test de la communauté, c'est-à-dire qu'on peut télécharger des niveaux faits par les fans du monde entier. J'ai la folie. Oui, c'est pas grave, je leur ferai. Arx Fatalis, je le continuerai samedi ou dimanche prochain, on verra. Mais de toute façon là j'étais bloqué chez les, c'est bizarre, chez les rebelles, mais je me demande s'il faut pas que je commence par jouer justement de l'invisibilité et que je me barre là où ils m'ont interdit de passer, parce que ils sont un peu cucu et concon, je le crains. Oui, tu m'avais parlé de l'éditeur de cartes de Portal 2 Twinsen, je m'en souviens, tu m'as dit qu'il était très bien fait. Oh mon dieu, j'étais là. Que va-t-il m'arriver? Ah oui, les flux. Oh mon dieu. On va commencer avec les... Oh ce bordel. Vous êtes ici, blablabla, neuf structures. Ah, il y a des sphères partout. Ah. Oh là 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 là. Oh la folie. Ah, Pléco Léopard, bien joué. Remember, this test is in the vision of the person to link the link device. Oui. Alors, gel de répulsion. Ta 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 ta, non toxique, blablabla. Bla bla bla. Ok. Oula. Oula là. Ah oui, tu as raison, je vais boire un coup, le baron. Merci. Est-ce qu'il y a un truc qui peut tomber de la trappe? Ah. Ah. Bah. Mon poids ne suffit pas. Ah, c'est la sortie. D'accord. Alors, qu'est-ce qui déclenche la trappe? Aïe! C'est ça? Ah, c'est un coup à se le prendre dans la tronche. C'est un coup à se le prendre dans la tronche. Re Aerostar. Oui, tu vas manger pour revenir pour les bibis. Oh bah écoute, les bibis, je les fais pas avant 20h30. Hein. Parce que le temps de faire un peu de Portal 2, de faire le tableau mystère, prends ton temps, les bibis, c'est pas avant 20h30. Par contre, c'est mon dîner. Je sais pas ce que je vais me grignoter, parce que je serais tenté de me siroter une bonne mousse en votre compagnie durant les bibis de 20h30 à 22h. Mais il faudra peut-être que je mange quelque chose.
Mais quoi? Je verrai après. Pardon. Je verrai après. Alors. Chibao. Mais non, mais j'ai pas sauté là où il fallait. Oh merde. Ouais. C'est comme ça qu'on fait. Les gars du labo m'ont fait savoir que je n'aurais pas dû parler du groupe témoin. En disant que je devrais arrêter ces messages préenregistrés. Mmh. Du coup, ça m'a donné une idée. On enregistrait encore plus. C'est moi qui paie les factures, donc si je veux parler du groupe témoin, eh ben j'en parle. Il y a vraiment que des barges dans Aperture Science. Ils sont tous dérangés d'une manière ou d'une autre. C'est fou. C'est fou. Oh là 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 là. Oh là là. C'est quoi ça là-haut? Il y a déjà du gel répulsif à des étages interdits. Alors, prochaine chambre de test, c'est par là-bas. Oh mon dieu. On n'a pas un droit de visite? Oh, oh, quelle horreur. Tout en bas est un océan d'acide. Oh. Oh là 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 là. Après, on s'étonne que GLaDOS est devenu complètement... Oh mon dieu. Bon bah... Hein. Ah merde, ce portail m'interdit de... Ouais, parce que si je fais ça, hop, bah oui, il n'y a plus rien. Alors, quelle est la surface qui va me permettre de... Ah bah, je suis bête, elle est devant moi. Merci. Alors, Ah. Éventuellement, je peux me laisser tomber, à défaut de laisser tomber. Nyeh. Oh là. Oh, il y a des jolies boiseries. Ouais, tu parles qu'ils tapaient leurs rapports sur des vieilles machines à écrire. Alors qu'ils ont accès à des ordi, non mais c'est n'importe quoi. On nous ment, c'est un scandale. Nien. Da 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 da. Da 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 da. Alors, cordon bleu façon kebab, nouilles chinoises, goût légumes. Ah oui, bah ça va, tranquille, t'es au buffet des rois, Edge. Oh là là! Eh ben, bon app avec ça! Pour le prochain test, on a mis des nanoparticules dans le gel. En gros, 1 milliard de minuscules machins vont passer dans votre flux sanguin pour bombarder vos tumeurs de gènes expérimentaux. Ouais. Dans le cas où vous n'aviez pas de tumeur, n'ayez crainte! Si vous vous êtes assis sur une chaise pliante à l'accueil sans porter de sous-vêtements blindés, c'est maintenant le cas. La 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 la. Je veux bien récupérer ce cube. Oh, ils sont pas drôles avec les surfaces. Ah, je suis arrivé au mauvais moment. Dibidi bidi bidi. Oh oh, je peux me prendre un cube dans la gueule. Dis-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Alors attends, je vais plutôt faire un truc de genre là. Ah, alors non. Non, 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 non. Il va falloir faire plus simple. Bizarre que... Attends, dans la narration, pourquoi GLaDOS m'a lâché la grappe? Ah, c'est vrai qu'on l'a mis dans une patate et que c'est notre ancien compagnon de... qui s'est fait greffer et qui est devenu aliéné à son tour. Et c'est lui qui contrôle actuellement tout le centre. C'est peut-être pourquoi il nous lâche la grappe, en fait. Il est dans l'ivresse d'avoir pris conscience de tous les milliers de salles qu'il contrôle désormais simultanément. Bon, avec un peu de chance, on aura la paix pendant 3-4 salles. On va pas s'en plaindre,
Alors, oulala, elle est loin cette sortie. Attendez. Qu'est-ce que j'ai libéré d'ailleurs en faisant ça, moi? Ah, je me suis libéré le. D'accord, ok. Oh mon dieu, je dois faire un bon d'idiot. Tayo, Tayo! Boing! Je suis le marsupilami! Alors, la suite. Oh, ça me rappelle quelque chose, ça. Ça me rappelle des souvenirs. Il ne faut pas avoir le vertige. Pourquoi ai-je regardé en bas? Je ne vous répondrai pas. Et regardez en haut. Bah, je crois que c'est tout aussi vertigineux. Nous sommes dans les grandes structures. Oh mon dieu. Ce jeu rend fou lui aussi. Lourd ce cube, c'est incroyable. Une fois que j'ai fait ça, attends. Ça quoi? Ah! Oh! Oui, mais. Attends. Voilà. Comme ça! Au fait, si vous avez été en contact avec le gel répulsif, voici un conseil des gars du labo. N'entrez pas en contact avec le gel répulsif. On n'a pas encore tout à fait classifié cet élément. Mais on sait une chose, c'est vivant et ça n'aime pas du tout le squelette humain. Comment ça, ça n'aime pas le squelette humain? Ça n'aime pas le calcaire dans nos os, oui, c'est ça. C'est ça le trouble, avouez-le. Oh, on monte. Oui, c'est vrai que vu le schéma de présentation, on était dans la sphère la plus basse. Oui, c'est vrai qu'on est descendu 4 km de profondeur. Oh là 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 là. Oh, il va falloir qu'on rejoigne la surface. Oh, 4 km à remonter. Bah dis donc, on n'est pas dans la mouise. Je comprends pourquoi il reste 22 niveaux. Oh, oh, oh. Oh, c'est dur. À propos, toutes ces sphères sont faites d'amiante. Ça protège des rats. Si jamais vous êtes victime d'essoufflement, de toux sèche ou d'arrêt cardiaque, avertissez-nous immédiatement parce que ça ne fait pas partie du test. Bonne nouvelle. Les gars du labo disent que l'empoisonnement à l'amiante a un temps d'incubation moyen de 44,6 ans. Donc, si vous avez plus de 30 ans, tout va bien. Au pire, vous perdrez quelques parties de bridge. Si on y réfléchit bien, c'est pas cher payé pour faire avancer la science de 3 siècles. Je ne sais plus ce que j'entends. Mais bon, on peut y voir une autocritique de la science et du capitalisme, enfin blablabla, blablabla. Oula, oulala. Oui, c'est avant tout un jeu d'adresse, hein. Comment ça, avertissement? Mais non, mais non. Mais non, mais non. Mais non. C'est scandaleux. En passant par là, je change de pilier. C'est le truc le plus nul que j'ai jamais fait. Mais c'est rigolo. Bon, trêve de plaisanterie, je dois encore observer la pièce parce que je ne sais pas ce que je dois faire. La sortie est là-bas. Et là-bas. Didadidadidadidadidouda. Oh, il va y avoir un truc d'extrêmement périlleux, je le sens. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas provoquer justement une petite fuite de gel répulsif? Histoire de le mettre en valeur et de commencer à jouer le marsupilami par-dessus l'énorme océan d'acide, hein? Bon. Et merde, je la sens pas celle-là, je la sens pas du tout. Qu'est-ce qui est... J'allais dire interagissable, enfin c'est pas français, mais qu'est-ce qui accepte... Quelle surface accepte d'interagir avec mon dispositif? Oh, les remue-ménages commencent maintenant.
Le remue-ménage qui commence maintenant. C'est moi ou j'ai réussi? Non. Non, non, non. Waouh, ça peut me... Ah! Je m'offre une chute débile. Je me suis fait peur comme un grand. La 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 la. Alors, j'ai un cerveau. Essayons de bien utiliser mon cerveau. Ah, ah, ah. Non, j'ai pas l'intérêt de revenir de par là, je suis arrivé. Faut que je monte, faut que je monte, faut que je monte. Sérieux? Ah oui, sérieux. J'ai réussi à me faire un portail là-haut. C'est vertigineux. Oh. Oh, il y a du gel bleu. Du gel bleu. Oui, du gel qui va m'aider à rebondir, c'est merveilleux. Ah, vous me plaisez bien. Vous inventez vos propres règles, comme moi. On m'a dit que je pouvais pas virer quelqu'un parce qu'il était en chaise roulante. Rien à la fiche, c'est cher les rampes. Je sais pas qui est ce mec, mais c'est un grand baboule. Petit gel. Oh. Il va falloir que je mette du gel partout, je crois. Enter. Alors, si le gel veut bien passer avant moi. Burp. Merci. Alors, le gel, il va là-bas. Ça sert à rien. Il faut que je dépose le portail orange ailleurs. Et il va falloir que je tapisse de... Bah tiens, en bas, ce serait pas mal. Allez, fous-moi du gel en bas. Caché ou pas caché, j'arrive. Boing. Ça, c'était de la chute. Je suis en train de gâcher du gel. Ça va dans l'acide. C'est nul. Faut pas mettre le gel dans l'acide. Là, je peux en mettre un peu. Ça peut être rigolo. Ça me plaît. Un peu de gel, un peu partout. Que je puisse rebondir n'importe où. Oh, encore du gel. Oh, c'est le bordel. Je veux du gel partout. C'est la magie du jeu. Oh, tout ce bleu. Je pense que ce jeu, Michou l'aurait adoré. Le regretté Michou. Qui était un gros fan de la couleur bleue, il aurait adoré faire ça, je suis sûr. La 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 la. Oh. Je veux mettre du bleu partout. Là-bas aussi, je veux mettre du bleu. Ah merde, ça tombe dans l'acide. C'est un peu haut. Il n'y a pas un autre axe de. Ça va où? Oh, c'est beau. Le pilier tout bleu. Oh, je vais réussir. Attendez, je peux pas faire un truc digne de Matrix. Tat ta la la tat tat tat. Et je boing. Ah merde. Non, crotte, c'est passé. Oh, ça aurait été drôle. Dommage. Ouais. Je voulais faire mon idiot. Ouais, des souvenirs de la COP. M'en parle pas, une scène. C'était rigolo. Attendez, pardon, je suis tellement pris dans le jeu que je vous ai pas lu. Olive qui tue, poil de pomme de terre, burn... J'allais dire burn out. Quelle horreur, pardon. Poil de pomme de terre, butternut. Alors, il faudra m'expliquer qu'est-ce que butternut. Noix de beurre, normalement en anglais, butternut, je crois. Poil de pomme de terre, noisette de beurre, champignons et crème semi-épaisse pour ma part. Oh les fins gourmets. Bon, c'est vrai que hein, j'essaierai de vous en parler dans la semaine sur mon Discord où ça viendra. Mais je vais m'essayer une recette. J'ai très envie de me préparer de la farce
vous savez, la farce des viandes des tomates farcies, par exemple. Je vais essayer de me cuire la farce en la préparant au bouillon de viande Knorr, là, les cubes. Je vais me préparer ça et je vais recuire une deuxième fois sous pâte feuilletée. Je sais pas pourquoi. Et je sens que ça va être bon. Je veux essayer. C'est du beurre de cacahuète. Butternuts. Ah, merci Yukine. Ah ouais. Ah, eh bien, bravo à vous. Vous avez des belles recettes. Vous de Dieu. Je sais toujours pas ce que je vais me croquer tout à l'heure à 21h, mais bon. Je verrai, hein, je vous dis, j'improviserai. Ça me... Pas tout bavarder, mais ça me résout pas l'énigme. Donc la sortie est là-bas. Il faut que je fasse un énorme saut. Ah, je crois que j'ai capté. Attends, comment je peux mettre davantage de boue? Ouais, non, là, ça va pas aider, mais... Ah, je peux en mettre un peu, ça va être ridicule, mais bon. C'est aussi le nom d'une courge. Ah, butter... D'accord, butternut est le nom d'une courge. Bon, bah, j'aurais appris beaucoup avec vous aujourd'hui. Merci, les copains. Butternut est le nom d'une courge. Ok. Attends, il faut que j'aille là. Donc dans l'axe, il faut que je rebondisse quelque chose comme par là, visiblement. Ouais, mais je peux pas faire mieux. Hein. Si je me mets devant, je vais me la prendre dans la... Ah! Je peux aider à l'éclatement de la bulle si je me mets dans l'axe. Donc je peux aider à ce que la matière se répande si je me mets dans la trajectoire. C'est bon à savoir. Je pense que moi-même, je rentre dans l'équation. Voilà, si je me mets là, je vais... Voilà! Ça éclate bien dans le... D'accord. Ah! C'est pas innocent, ça. C'est pas innocent. Il va où, le bleu, là? Oh, merde, j'en mets là-haut. Oh, le con. Ouah, je suis en train de saloper tout le centre. Je vois. Alors, attends, il faut que je saute de vachement haut, moi, si je veux. Je boing boing. Il doit y avoir un truc dans le jar là. Mais je vais devoir casser le portail bleu en haut. Bon, j'ai plus besoin de peinture, mais attendez. Si je fais ça. Aïe! Oh, je crois que j'ai passé d'élan. Non, 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 je vais finir dans l'acide. Attendez, attendez, attendez. Et je saute pas assez haut. Non, c'est vachement haut, le truc. Attendez. Observation supplémentaire. Ouais, non. Ouais. Je pense qu'il faille viser le plus haut possible. Alors... Est-ce qu'à un moment je peux pas... Attends, c'est une surface réfléchissante ou pas? Non, 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 c'est la blanche qui permet de... Non, non. Alors, si je fais ça... Aïe! Mais non, c'est pas ça, je suis beaucoup trop loin, là, je vais mourir. Merde. Je pense que j'ai la moitié de la solution. Comme dirait le célèbre personnage d'Agatha Christie, le dénommé Hercule Poirot, il va falloir que je fasse fonctionner un peu mes petites cellules grises. Mais c'est pas évident. Alors attention, hein, je veux pas d'indices dans le chat. Laissez-moi gamberger s'il vous plaît, merci. Ah merde, faut que je recommence à répandre la peinture partout. Oh là là, vous êtes sévères les gars. Pour commencer les manœuvres de peinture... Oh là là. Vous me plaisez bien. Vous inventez vos propres règles, comme moi.
Vous avez trouvé parmi quelqu'un parce qu'il est en chaise roulante. Rien n'affiche. C'est cher, les rampes. Attendez. Mais il y a des trucs ici. C'est pas innocent. Je suis peut-être allé un peu trop vite en besogne dans la... dans l'exploration de la... Mais oui, il est sorti par là-bas. Merde. Attends, il y a un truc à faire. Mettre l'orange là, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. En fait, je suis peut-être allé chercher midi à 14h, moi. Non, ici, je ferais peut-être bien mettre du bleu partout. On va se marrer, on va mettre dans toutes les surfaces. Aïe! Ouais, c'est beau. La 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 la. Oh, magnifique. Merde, mais non. Ça allait à retour à l'envoyeur, c'est ça revient dans le... la bonne blague. Allez, spooch. Allez, spooch, spooch, spooch. Ok, bon. C'est artistique en même temps. Oh. Oh, c'est trop joli. J'adore. Comment ça éclater au sol? Ah, heureux, Torota. Oh, t'es pas filé faire dodo parce que t'as été tout foufou d'avoir fait tes 24 heures là. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour toi, mais. Je pense que tu vas pas tarder à aller au lit. Faut pas que tu t'exposes l'organisme. Ah bon. Bah oui, éclaté au sol. Tu m'étonnes. J'aurais dû retirer le portail. Bon, voilà. Bon. Oui, après. Oui, je veux dire, si tu veux. Comment ça? Ah oui. Ah oui, merde. Merci. Alors attends, non. Je vais pas dans le bon sens. Arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. Voilà. Alors. Je pense qu'il va falloir être plus malin que ça. La sortie est là-haut, je crois. Ah, elle est là. Mais oui, c'est ça, c'est l'ascenseur du haut. Oh la vache, les salopards. Donc. Et je surplombe quoi? De l'acide. Donc la soluce n'est pas en bas. La soluce n'est pas en bas. Ouais, courir, tac, 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 tac. Et puis faire un bond de puce. Ouais, d'accord. Alors, il faudrait que j'arrive à balancer. Eh oui, je suis paré par ça. Je suis paré par ça. Mais non. Voilà, c'est beau. J'aime bien le côté artistique du jeu. Vraiment. Trop stylé. Alors. Hop là. Voilà. Oh. Ah. Petit malin. Vous êtes des petits malins. Bleh. Voilà. Oh, le bonheur. Bleh. Bleh. Oh, ça va suffire.
Yo! Non! Mais c'est trop court! J'ai oublié une étape. Bah, le kangourou, là, il a un peu le cerveau qui chauffe, mais ça va. Comment ça, tu te lèves, Torota? Non, t'es sérieux? Ah, t'as fait une sieste entre-temps? Bon, bah, c'est pas plus mal. Comment ça, toujours pas fini, Fanfan? Non, mais prends ton temps de manger, Fanfan. T'es pas là pour courir. Oh, le jeu est gentil, il m'a sauvegardé, il m'a pas fait recommencer. Ça va, il y a une certaine indulgence à l'erreur. Ah oui, tu parles du jeu. Mais non, mais ce jeu ne finira jamais, Fanfan. J'ai annoncé tout à l'heure qu'il y avait en plus les niveaux faits par la communauté. Alors, Portal 2, je vous en fais jusqu'en 2025. Ce jeu est sans fin. Oserais-je dire qu'il se consomme sans modération. Attendez. Il faut que ma vitesse d'arrivée sur la surface rebondissante soit proportionnelle à la longueur que je veux me propulser. Donc il faut que j'arrive vraiment violemment sur le bleu. Il faudrait que je fasse un saut parfait comme celui-là. Boing. Et là, boing. Et là, boing. Et là. Mais j'ai perdu de ma puissance de saut, moi. Ça va pas. Merde. Attendez. Oh, je suis retombé comme un abruti. Enfin, je peux faire mon truc, ça servira à rien, parce qu'il faut que je le refasse, alors... Mais voilà. Enfin, tu me diras non, on s'en fout, le truc a déjà été badigeonné. Oui, non, il n'y a pas une surface qui me... Attends, si je fais un saut de puce en diagonale... Ouais. Ah! Ah! Ce jeu va me rendre de fou. Ouais, je saute pas assez haut. Kikiboum, kiboum, kikiboum, boum, boum. C'est tout le mal à tourner. Hop là! Ah oui, j'arrive là, mais il faudrait que j'ai du bleu là encore pour refaire un rouge-boing et un... Bizarre. Pas convaincu. Pas convaincu, turlututu. Mais d'accord qu'il n'y a rien qui m'échappe. Hein, hein? Bon. Bou. Bonne de vie là. On mettrait des sorties, moi. La 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 la. Yali. C'est bon. Attends, j'ai besoin de comprendre un truc. Si je fais ça. Ah ouais. Ah, je viens de comprendre. Je viens de capter. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Alors j'ai presque le tort d'en avoir mis un peu trop partout. Aïe. C'était donc ça. Le café que nous avons offert contenait du calcium fluorescent pour nous aider à suivre votre activité cérébrale. Il est possible, quoique peu probable, que le calcium vitrifie votre lobe frontal. Surtout, n'y pensez pas trop. C'est justement en visualisant ce cas de figure que le processus se déclenche. Je savais que c'était le calcium quand il parlait que la substance bleue n'aime pas le squelette humain. Bref. Oh, coucou le baron. Oui, pardon, je sais plus. Ah là là.
la 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 la. Déjà, mon retouet. Si vous faites partie du groupe témoin Kepler 7, nous avons implanté dans votre crâne une minuscule micropuce de la taille d'une carte postale. Vous avez sûrement oublié jusqu'à sa présence, mais si elle se met à vibrer et à sonner pendant le prochain test, avertissez-nous. Ça veut dire qu'elle va dépasser les 200 degrés et qu'on doit vous la retirer à rapidos. Ça, c'est de l'eau qui me lave. Je suis tout propre. Et ça lave le truc. Eh oui. Okidoki. Oh, je vais faire mon vilain. Oh, attends. Ah oui. La 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 psychédélica. Bon, je fais l'idiot, mais en même temps ça me donne pas d'idée. Le gel répulsif, le gel répulsif. Et là, pan dans le gel répulsif. Oh mon dieu, j'ai fait quelque chose d'horrible. Oh, renversant. Waouh. Et là, dans le bleu, du bleu. je me lave. Ah oui. Bon, sérieusement, comment je résous cette énigme? Au lieu de faire l'idiot. Ah. Je mets du bleu partout. Du bleu qui me rend fou. Je mets du bleu partout. Le bleu qui me rend fou. Allez-y. Et je pleure. Comme le marsupilami, youpi youpi. Oh, on peut tricher. Ah oui, c'était ça qu'il fallait faire en plus. Oh non, c'est chronométré. Oh, ah oui, parce que là il n'y a pas de... D'accord, je vais me comprendre. On a coupé l'eau et on peut se barrer. Oh, les petits brigands. Je viens de comprendre l'astuce. Allez, go. Mais non, mais... Oh la vache, j'ai failli ne pas réussir, dis donc. C'est mûche. C'est mûche. Franchement, il panique pour un rien. Le prochain test comporte un tout petit peu de voyage dans le temps. Un conseil, si vous tombez nez à nez avec vous-même, ne vous regardez pas dans les yeux. Le temps risquerait de s'écrouler sur lui-même. Bref, laissez-vous tranquille et tout se passera bien pour vous, comme pour vous.
c'est de la... Ah oui, c'est une grille, donc je peux pas... Attendez, faut que j'arrive là-haut, moi. Réfléchissons, j'ai pas l'air bon. Réfléchissons. Alors, hop. What? J'ai sauté trop haut. Merde. Oh, je peux aller sur la tranche de la porte, dis donc. Ce qui peut être un avantage, oui. Sauf que... J'ai pas assez de... Ah, attends. Aïe. Nope. C'est pas facile. Ah. J'ai des ibroches. Mais si j'essaie de rebondir là, peut rebondir là. Soyons fous. Ninja wall jump. Oh non. Il y avait de l'idée, mais elle était pas maîtrisée, l'idée, en fait. C'est mûche. Les bébés. Le prochain test comporte un tout petit peu de voyage dans le temps. Un conseil. Si vous tombez nez à nez avec vous-même, ne vous regardez pas dans les yeux. Le temps risquerait de s'écrouler sur lui-même. Bref, laissez-vous tranquille et tout se passera bien pour vous comme pour vous. Les bébés. Tout à l'heure, on va jouer aux bébés. Oui. Oh mon dieu. Non, la goutte, elle se barre là. Ah, alors ça, par contre. Ça, par contre, ça va chercher loin. Ah oui, je suis en train de foutre du bleu à des endroits insoupçonnés là, je crois. Allez, foutez-moi du bleu partout. Presque. C'est drôle. Ah, c'est subtil, mais ça marche. Enfin, bon, bref. Non, je peux pas.
pas retapisser mieux l'endroit, je crois pas. Encore que, j'ai gagné quelques centimètres. Allez, ouais, on s'amuse. On en fout partout. Alors. Merde. Oh. Non, je veux pas retourner dans l'acide, Nunuche. Alors que l'autre, il est là-haut. Oula, non, bah non. J'ai glissé, chef. Oui, bon app pour ceux qui dînent. Franchement, il panique pour rien. Le prochain test comporte un tout petit peu de voyage dans le temps. Un conseil, si vous tombez nez à nez avec vous-même, ne vous regardez pas dans les yeux. Le temps risquerait de s'écrouler sur lui-même. Bref, laissez-vous tranquille et tout se passera bien pour vous comme pour vous. Vaster, oui. Bonjour, Ronny. Enfin, bonsoir, Ronny. Bah, comment que ça va? Oui, on va faire les bibis bientôt. On va y avoir le tableau mystère dans quelques minutes, suivi des bibis. Oui, promis. Je suis enchanté de votre enthousiasme. Et ce sera bibi vocale ouverte. Ceux qui vont bavarder seront les bienvenus sur le Discord. On papotera de tout et de rien, comme d'hab. C'est sympa pour finir le week-end. Rien de compliqué, ben oui, mais... Ah ah! Et pourtant, mon cerveau a un peu de mal. Mais ça va venir. C'est quoi cet angle de... Oh mon dieu, ça fait même gicler sur le côté. Waouh, cet angle complètement faussé de... Oh mon dieu, ça fait peur. Oui, on a... oui, bon week-end, merci. Et ils ont fait un crossover avec Splatoon, ouais. Oh mon dieu, non, pas le point. Bon, elle va assez haut, la bébule. Par rapport à son point d'arrivée, tu me diras, c'est logique. On dirait un numéro de jonglage. Oh, c'est beau. J'aime bien. Toutes ces sphères.
je cumule un max de... Puis ça va devenir un flux continu de... Je peux les cumuler en illimité, là, ou il y a un subterfuge. Il va y avoir un ruisseau de... Allez, zou, balance-moi tout ça. Voilà, j'en fous partout. Allez, on cumule, c'est reparti. Ouais! Piche, pêche, piche, pêche, bouche. C'est bon. Oh. Je refuse de mettre le portail à côté, c'est honteux. C'est honteux. Oh. Je mets du bleu partout, je suis fou. Je mets du bleu partout. Je mets du bleu partout. Je mets du bleu partout. Je ne suis plus où mettre du bleu. Bleu, 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 bleu. Seulement je peux mettre du bleu sur cette surface, ce serait magique. Comment je fais? Mais je peux pas. Je ne peux pas mettre du bleu. Ou alors il faudra que je dévie la trajectoire de... Mais je peux pas non plus la dévier. Non, je peux pas la dévier du tout. Parce que plus à cette hauteur là. Non. Non. J'ai envie de réaliser des choses interdites. De déjouer les lois de la physique. Est-ce possible? Eh, ça éclate moi quand je suis dans la trajectoire du truc. Attends. Attends. Voilà, ça a pas. Alors j'en mets sur moi, mais pas sur le. Oh merde. J'ai câblousse un petit peu, mais pas là où je veux. Dommage. C'est bien tenté. Bon, bref. Accumuler assez de puissance de bon. Attendez. Oh là là, ça part dans tous les sens. Réfléchissons. Si je prends ce risque. Ouais, j'ai l'air au pire, je rebondis là. Merde! La vitesse, c'est pas la bonne. Ah, mais je voulais avoir une bonne vitesse, bordeloum. Je vais y aller en diagonale. Nigo du gobo. C'est quoi les instructions des vilains? La sécurité d'abord. Comment ça? Oh, c'est pas un petit flux là. Je n'ai pas un petit flux. What the fuck? Ah! Je me mange du bleu.
Je me mange du blue. Le problème, c'est que je sais pas. C'est faux qu'il faut que j'aille par où. Je suis peldou. Il y a des choses partout. Brap. Brap. La 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 la. En fait, c'est un jeu qui dit pas son nom, c'est Passion Déco. Toi aussi, amuse-toi à repeindre un max de surface. You. Et je te fous du bleu partout. Aïe! Alors, je sais pas si être là est une bonne affaire. Je suis pas sûr. Ah, ça me stresse d'avoir cet océan d'acide sous les pieds. Ça me stresse, tout cet acide. C'est horrible. C'est terrible. Ouch. Sérieux? Ah oui, les gens sont sérieux. Tiens, il y a un truc là-bas. Ah non. Alors, je vais où si je vais là, moi? Ah! Mais ça fait mal! Comment qu'il m'a projeté contre pilier, le gros vilain? Ça fait bobo! Ah! Il y a de l'idée, mais c'est pas la bonne combinaison. La 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 la. Dans 5-10 minutes, on va passer au tableau mystère. En même temps, j'en profiterai pour aller chercher ma bière. Et mon potentiel d'idée. Franchement, j'ai aucune idée de ce que je vais m'improviser. Surtout que là, j'ai pas faim. Comme j'ai vachement bien mangé à midi, je me suis englouti une pizza moi tout seul. En général, je me contente d'une moitié, et là j'étais très glouton, j'en ai mangé l'intégralité. Donc du coup, ce soir, je vais dîner léger. Je vais dîner léger pour fêter la fin de l'été. Et je suis complètement paumé, je crois que je suis couillonné. Bah, finir le niveau, oui et non. Parce que si je suis vraiment en échec, ce sera pour la semaine prochaine. Alors, oui, le but, c'est de repeindre tous les murs. Potentiellement, je te répondrai. Mais, en fait, il faut résoudre le puzzle 3D pour se barrer. Rat de laboratoire que nous sommes. Et chaque gel a des propriétés. Donc là, je commence avec le bleu qui est rebondissant. Et plus tard, il y aura d'autres gels qui auront d'autres propriétés. Mais, je reconnais que je suis pas très fut-fut, hein. Je suis pas une lumière, mais bon, bref. Je me débrouille avec les neurones que j'ai. Et c'est rigolo, l'essentiel étant de s'amuser. Oui, les bébés vont arriver, Fan Fan. Il va bientôt y avoir les bébés. Les bébés. Tida di da 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 da. Tida di 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 do. Les petits bébés. Je crois que je me suis couillonné tout seul comme un grand. Attends, je suis sauté là, j'ai fait boing boing. Mais j'ai eu le malheur de sauter sans avoir d'objectif précis. Est-ce qu'il fallait aller en haut? Que c'était pas impossible. Mais je n'en ai aucune certitude. Alors, excusez-moi, je baille comme un gros chagouin. Le chagouin vilain. Eh, mais attends, quand je suis propulsé en l'air, j'ai le temps de faire une projection de portail, moi. C'est peut-être une occasion rêvée de poser un portail. Reste à savoir où, mais... Non? Non. Portail. Hein? Je suis tombé sur la... Ah bah, elle est bonne, celle-là. J'ai bavé exprès. Bon bah, c'est pas plus mal. Ça m'offre un nouveau point d'analyse.
De nouveaux points d'analyse et de perspective. It's possible. Du gel blanc. Je le convoite, le gel blanc. Ça permet de donner des nouvelles surfaces de pose de portail. Je crains m'être fourvoyé là où il fallait pas. Oh non! Mais je m'attendais à rebondir sur le truc. Bah, ce jeu me prend trop la tête. Non, j'irai pas jusque là. C'est juste qu'il faut accepter le remue-ménage et prendre le temps de... Je pense que je dois jouer avec le gel... Ah non, gel flow. Ah non, c'était l'eau de rinçage. Non, 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 non. Non, non, j'ai nourri un faux espoir, là. Non, non, non. Parce que ça, c'est l'ancienne salle de... Eh oui, c'était pas du gel blanc, c'était de l'eau de rinçage. Non, 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 l'idée est pas la bonne. L'idée est pas la bonne. Ah, on reconnaît l'ambiance à la Half-Life, hein, quand même. Au niveau de certains éléments de jeu. Non, non, je vais sauvegarder là et non, je la finis même pas aujourd'hui, une scène. Je la reprendrai le week-end prochain. J'aurai. Là, je reconnais que je suis en train de choir intellectuellement et j'arrive plus à réfléchir. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, petite vidéo, laquelle qu'on n'avait pas vue. Les tourelles, c'est les panneaux que j'ai pas fait. Ah, alors les panneaux. Ça dure une petite minute, hein, mais c'est rigolo. Cave Johnson here. This is a test chamber. Four walls, ceiling and a floor. Good enough for science. Not aperture science. Gentlemen, I give you panels. The planks of tomorrow. Fully configurable. Infinitely variable. Safe. Aperture brand panels will assist your test subjects every step of the way. That is not a panel. That's a crusher. We sell them too. Ils sont complètement fous. Ah, mon Dieu. Allez, je vais vous laisser réfléchir sur le tableau mystère.